Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Le vieil homme meurt quand tu es plongé dans les sources vives et de l'eau et de l'esprit lors du sacrement de baptême. Par la grâce rédemptrice du Christ obtenue pour nous sur la croix, nous devenons un homme nouveau, une femme nouvelle. Et c'est ça, comme je vous disais hier, qu'est notre véritable réalité. Notre réalité, ce n'est pas le vieil homme qui perdure, agonisant. Non, il veut reprendre ses droits que la grâce lui a enlevés. Mais parfois, le vieil homme, la chair, hein, veut reprendre ses droits qu'il avait auparavant sur nous, mais qu'il n'a plus. Mais il fait des tentatives. Il fait des tentatives en nous tentant. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui se passe en nous? J'allais dire, quand je deviens chrétien, je rentre dans l'histoire du drame de ma vie. Ouh là 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 là, le drame de ma vie, c'est sérieux, hein? Eh bien, parfois c'est dramatique. En ce sens qu'il faut comprendre ces réalités de notre foi, frères et sœurs, que tu es un homme nouveau et je lutte pour faire ma vie d'homme nouveau. Mais il y a encore en moi des espaces de vie agonisants qui s'appellent le vieil homme. Alors le drame de notre vie, c'est justement cette lutte intérieure qui parfois cause en nous des tensions terribles, où l'homme nouveau qui a revêtu le Christ par la grâce de l'Esprit veut enfin être libre et prendre son envergure et son envol. Et souvent, ce désir de l'homme nouveau dont parle Paul lorsqu'il parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur, c'est que l'homme intérieur est la réalité de notre vie chrétienne terrestre. Mais il y a l'homme extérieur ou le vieil homme qui veut reprendre ses droits qui n'est pas prêt de lâcher prise. Alors parfois, ça crée des tensions, des luttes, parfois des angoisses, des dépressions, des mises en question, des nuits où on ne dort pas, le sommeil semble s'éloigner. C'est comme dit les psaumes, hein, mes paupières ne peuvent pas se fermer. Ça cause un méchant drame parfois dans notre vie. Mais ça vient de ce que tu es réellement, c'est-à-dire un homme neuf, une femme neuf, par la grâce baptismale, qui vient lutter en toi pour que tout ce qui reste du vieil homme ou de la vieille femme disparaisse. Mais parfois, ça crée
de méchantes tensions. Bien sûr, si tu es un chrétien qui veut faire une petite vie normale, bon, ça me suffit. Tu vivras probablement pas ces tensions intérieures. Parfois, ça tourne à la guerre, hein, entre le vieil homme et l'homme nouveau, entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et c'est là tout ce drame dont nous a parlé saint Paul lorsqu'il dit « Le bien est à ma portée, je veux le faire, mais je ne le fais pas. Le mal, je le fais alors que je ne veux pas le faire. » Tu t'imagines parfois dans quelle tension existentielle ça nous met? Mais ça, c'est extrêmement positif parce que c'est l'homme nouveau qui est en train de prendre la victoire qu'il a acquise par la croix de Jésus-Christ. Mais ça crée des tensions. Comme je disais hier, nous sommes un peuple de victorieux et le pape François, à un moment donné, dans ses homilies, a mis le point là-dessus, mais arrêtez de vivre comme des losers, arrêtez de vivre comme des perdants, vivez comme des gens qui ont gagné dans le Christ, vivez comme des gens qui sont victorieux. Ça, c'est la réalité réelle de ta réalité. Vérité de la police. De la palisse. C'est ça la réalité. La réalité, c'est pas ton vieil homme qui résiste. Ça, il est en train de s'en aller en poussière, inexistant. Le mensonge n'existe pas. Ça n'a pas de substance, le mensonge. Mais, ça lutte en toi. Hein? Quand le Seigneur dit dans son évangile, bon, c'est une autre traduction. Non, c'est Paul qui parle de ça. Paul dit, vous êtes appelés à être saints. Les paroles mêmes induisent un cheminement, une croissance. Vous serez saints comme je suis saint. La meilleure façon de comprendre cette parole du Seigneur tirée du Lévitique, c'est de dire, vous deviendrez saints parce que vous vous approcherez de moi qui suis le Dieu trois fois saint. En s'approchant du feu, tu commences par être échauffé, mais peu à peu, tu brûles. Hein? Tu n'es pas feu tout de suite, tu deviens feu. Alors, quand le Seigneur nous dit, vous êtes un peuple saint, c'est-à-dire séparé du monde, hein, c'est ce que ça veut dire, pour témoigner de ma présence, hein, vous n'êtes pas de ce monde, dit Jésus. Qu'est-ce que Jésus veut dire à son Église? Vous êtes une Église sainte, c'est-à-dire au milieu, séparé de l'esprit du monde. Mais pourquoi être séparé? Pour mieux témoigner de Jésus-Christ au milieu du monde. Mais à un moment donné, d'être saint, d'être séparé, ça se vit aussi en nous, ça. Tu as le témoignage des trois personnes divines dans les profondeurs de ton être qui témoignent de l'existence de Dieu, que Dieu est Père et Créateur, que par amour pour toi, il livre son Fils qui te sauve par sa croix rédemptrice, et le Père témoigne qu'il a créé le sacrifice de l'agneau en donnant l'Esprit à la Pentecôte. Tu vis ça en toi. Dieu, parfois, lorsque tu te disposes par la foi, te donne de vivre ça, et tu voudrais toujours vivre cet état de béatitude et de bonheur ineffable. Disons que des hauts et des bas. Hein? Mais c'est normal. Parce que l'homme intérieur se plaît à la loi de Dieu, dit saint Paul. Mais l'homme extérieur, il voudrait vivre toujours son autonomie, autonomos, hein? Ça veut dire une loi personnelle que je me suis faite moi-même. C'est ça que ça veut dire. L'autonomie, là, c'est un mot qui est piégé. Hein? Parce que ça veut dire autonomos, ça veut dire une loi personnelle et je veux suivre ma petite loi. Ça veut dire que tu es limite à gauche et à droite. Fait que quand l'homme regarde Dieu et dit « Je n'ai pas besoin de toi, je suis autonome, autonoma », ça veut dire « J'ai ma propre loi, je n'ai pas besoin de la loi de Dieu. » Mais quand tu as été baptisé, quand tu fais ta vie chrétienne, tu te rends compte que par la puissance des sacrements, ta vie de prière, ta vie de partage, d'engagement dans l'Église et dans la société, tu te rends compte qu'il y a des réalités en toi qui ne correspondent pas aux réalités du royaume que tu veux pourtant embrasser de tout ton être, mais tu vois en toi des résistances, des blessures, qui refusent l'amour, qui refusent la tendresse, qui refusent la miséricorde,
Bien sûr, ce que je dis là ce matin ne concerne personne ici. Ça doit concerner le ressourcement à côté. Hein? En tout cas, moi, ça me concerne. En fait, je prêche pour moi-même. Alors, tu vois, à un moment donné, dans la vie de chacun, ça devient un drame. Le drame de ce que tu es, nouvellement dans le Christ, et le drame du restant en toi qui veut reprendre le champ que tu lui as usurpé par la grâce de Dieu. Il veut reprendre sa place. Toi, tu résistes. Parce que l'homme intérieur se plaît dans la loi de l'Évangile. Tu y as goûté, tu l'as vécu, tu voudrais tout le temps le vivre, et en plus, ça devient croissant. Et là, le Seigneur, lui, te prend au sérieux. Hein? La parole de Dieu dit bien, j'ai de la valeur à ses yeux. Comment est-ce qu'il dit ça? J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Tu te rends compte que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, comme personne ne pourra jamais te témoigner sur la terre, de cette expérience personnelle de l'amour de Dieu pour toi, et tu voudrais vivre tout le temps de cet amour, tout le temps de cette béatitude. Mais là, la chair, à un moment donné, refuse. Ce refus de l'amour de Dieu, ce refus du royaume de Dieu qui est dynamique en toi et qui œuvre, ça, c'est la réalité. C'est ce que tu es réellement. Tu es un homme nouveau, tu es une femme nouvelle. Focalise tout ton être sur ce que tu es. Ne focalise pas trop sur tes blessures, le vieil homme ou la vieille femme. Ne focalise pas là-dessus. Dis Seigneur, dans la grâce, tu as fait de moi un homme nouveau. Je veux vivre comme un homme nouveau. Mais il y a quelque chose en toi qui dit... Le Seigneur m'a donné à un moment donné, le Seigneur m'a donné à un moment donné, de rencontrer une dame qui était appelée à devenir âme victime pour l'Église. Une véritable. Quand tu sais c'est quoi une véritable âme victime, tu ne veux pas toucher à ça. Tu ne veux pas ce charisme. Autant cette personne se baladait au ciel qu'en enfer. J'aimais pas ces périodes d'enfer parce que c'était moi qui devais la délivrer. Et à un moment donné, elle allait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et je voyais déjà la grâce agir dans la vie de cette personne. Et la personne me dit, elle dit, j'étais dans ma chambre, tout simplement, je me préparais, je me vêtis. Tout d'un coup, dans ma chambre, un homme, très bien vêtu, costume, cravate, costard, très digne, très noble. Elle dit, j'ai pas eu peur. Elle dit, je me suis retourné, j'ai regardé cet homme. Elle dit, vous êtes qui vous? L'homme n'a pas dit son nom, l'homme. Entre guillemets, on savait qui c'était. Ensuite, elle a su qui c'était. Il lui dit une chose. Il lui dit, madame, je vous déconseille de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle dit non, elle dit moi, ça, j'ai fait les 7 semaines, les 7 séminaires. Elle dit écoutez, tout le métro, l'autobus, les taxis. Elle dit tu as discuté comme ça avec ce phénomène dans ta chambre. Elle dit oui. Elle dit je suis décidé à aller être baptisé dans le Saint-Esprit. Quel baptême elle a reçu. Hein? Ah ça, c'était le ciel ouvert sur elle. Hein? Fait que le personnage en question, très bien vêtu, il n'a pas fait peur. Hein? Il n'est pas venu avec ses petites cornes et sa petite queue en arrière. Il dit, madame, je vous avertis très sincèrement, si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous aurez beaucoup à souffrir. Et cette dame a dit tout simplement, non, je vais recevoir le baptême. Et que le personnage a disparu, fait que je sais tout de suite qui c'était. Mais il ne lui a pas fait peur, il ne l'a pas lancé sur un mur, comme j'ai déjà vu certaines fois. Non, tout simplement, il lui a dit, vous allez beaucoup souffrir. Bon, elle est allée recevoir le baptême du Saint-Esprit, elle l'a tout reçu en même temps, c'est extraordinaire, ce que Dieu lui a donné. Elle voyait à travers nous, comme on voit comme ça, c'est incroyable. Wow. J'ai été impressionné. Mais là, il fallait que je fasse taire mes impressions pour être un petit peu plus objectif sur ce ministère très particulier. Et elle, peu à peu,
je le dis sans prétention, mais c'est pour vous enseigner aussi, elle m'a appris ce discernement de l'esprit, de cette tension entre le vieil homme et la vieille femme. Est-ce que le message qui a passé à mon insu? Il y a des problèmes entre le vieux et la vieille, là? Entre le vieil homme et l'homme renouvelé dans le Christ, l'homme nouveau. Mais véritablement, chez certaines personnes, c'est un drame. C'est une guerre intérieure, c'est une tension. Et une des tentations dans ce drame intérieur, savez-vous, c'est quoi? C'est ce que dit les psaumes. Salut les impies, ils font grâce chère. Ils sont riches, sont en santé, tout leur vaut. Tandis que moi, je suis ta loi, je suis fidèle à ton évangile, je souffre, je suis pris dans des angoisses, je suis pris dans la douleur. Mais ça se comprend. Le bonhomme dans le monde, qui a l'apparence d'être heureux, vous avez compris mes paroles? Qui a l'apparence. Quand tu grattes, là, le Seigneur est en train de toucher sa terre actuellement. Cette assurance que l'homme en lui-même, c'est tout en train d'être bouleversé par le Saint-Esprit. Mais c'est normal qu'à un moment donné, que tu vis des drames. Justement, cette tension entre l'homme nouveau qui veut enfin être libre et le vieil homme qui résiste, hein, il y a une tension terrible. Et tu peux être tenté de dire, j'abandonne tout, là, ça suffit, là. Regarde, les gens dans le monde sont heureux, eux, puis ils en font pas tant. En plus, ils n'ont même pas la foi. Ça t'est jamais arrivé de poser cette question? Moi, des fois, je l'ai dit au Seigneur, hein, je dis, Seigneur, moi, j'ai des amis qui sont dans le monde, qui sont plus heureux que moi. Mais j'étais dans une tempête, mon ami. Ben oui. Mais toi, tu chemines. Jésus t'a fait renaître dans le Saint-Esprit et par l'eau. Tu deviens une créature nouvelle dans le Christ, un être nouveau. Mais il y a des restants, quoi. Il reste encore la poussière. Mais cette poussière, parfois, elle résiste. Hein? Mais, je le répète, ne focalise pas sur tes résistances. Focalise sur ce que tu es, un homme nouveau. Cela ne veut pas dire d'oublier le combat ou ce qu'il faut faire pour justement être guéri, libéré, prenant les moyens qui sont bons, pour être guéri de mes résistances, parce que n'oublie pas, ce Dieu en quel tu crois, et si tu crois, c'est parce que le Saint-Esprit t'a donné la foi, ce Dieu auquel tu crois est amour. Ce Dieu auquel nous croyons est lumière. Alors tu ne peux pas marcher vers Dieu qui est amour, sans qu'en toi tu rencontres des espaces de ta vie qui ne sont pas amour. Et croyez-moi, parfois, ça fait mal. Mais il ne faut pas que tu abandonnes, il faut que tu continues. Et Dieu est lumière. Même raisonnement. Tu ne peux pas vouloir être uni dans la foi à un Dieu qui est lumière sans qu'en toi apparaissent des espaces de ténèbres. Ce n'est pas Dieu qui cause les nuits, ce n'est pas la foi. C'est ce qui, en nous, n'adhère pas pleinement, ne correspond pas pleinement à ce Dieu que nous voulons aimer, adorer et servir. C'est ça qui cause en nous parfois des drames terribles. Terribles, c'est un drame. Moi, je rencontre des gens, et je connais de mes frères et de mes sœurs qui vivent des temps, waouh, on prie pour eux, hein? Oh là là, et c'est tout ce qu'on peut faire. Qu'ils aient la grâce de persévérer. Persévérer. Et saint Paul dit quelque chose. Le Seigneur ne permet jamais une épreuve qui dépasse la largeur de nos épaules. Ensuite, saint Paul dit et vous donne le moyen d'en sortir. Ah. Mais il y en a qui vivent des choses, ça peut durer un certain moment. Pourquoi chez l'un peu, pourquoi chez l'autre plus, pourquoi chez un autre beaucoup? C'est pas difficile à comprendre. Je vous explicite. OK. Ça va? Oui?
Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne pensais pas vous parler de ça ce matin, mais on est dans un week-end de croissance. Alors, il faut donner des explications pour vous faire croire. Ça va jusqu'à maintenant? Bon, bon, on a trois grandes facultés en nous, psycho-spirituelles. La volonté, la mémoire et l'intelligence. Qu'est-ce qui arrive? Tu vas comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. Avec mon intelligence, par exemple, j'ai des exemples dans ma tête, des témoignages, là, très réels. La personne avec son intelligence, ses yeux, ses sens, son imagination, lit de la littérature ésotéro-occulte. Son intelligence bosse, travaille. Sa mémoire enregistre ce que l'intelligence lui donne. Ça va? Tu comprends? Et la volonté, qui est beaucoup liée non seulement au cœur, mais à l'affectivité, va adhérer à ce que la mémoire lui montre, elle-même, la mémoire, ce qu'elle a reçu de l'intelligence. Alors, plus ton attachement est profond à ce que tu viens de lire, à ce que te rappelle ta mémoire, plus la purification, la conversion, à un moment donné, va être difficile. C'est beaucoup au plan de la volonté, parce que par ta volonté, tu adhères à cette doctrine, à cette littérature ésotéro-occulte. Alors, tu lis, tu lis. Ton intelligence, peu à peu, va réfléchir, penser le réel à la lumière de l'ésotéro-occultisme. Et ta mémoire va recueillir et retenir ce que tu lui donnes par ton intelligence. Et là, par ta volonté, tu vas adhérer à ça. Tu vas aimer ça. Quand l'Évangile arrive là-dedans, waouh! c'est le cataclysme. C'est le cataclysme. Un jour, on avait évangélisé une jeune femme qui était beaucoup, avait beaucoup cheminé avec la Fraternité Blanche Universelle. Elle connaissait par cœur, et elle connaissait le gourou en personne, elle connaissait par cœur toutes les pratiques, toute la littérature, elle y adhérait pleinement. Sa vie était là-dedans. Toute sa mémoire, son intelligence, son affection, sa liberté avait adhéré. Tu comprends-tu? Adhéré. Comme de l'huile à un tissu, ça adhère. Là, maintenant, on lui parle de Jésus-Christ. « Ah, tu veux connaître Jésus? » On lui impose les mains, paf! Effusion du Saint-Esprit. Wow! Jette tous ses livres, brûle les livres, etc. Mais on brûle les livres comme dans les Actes des Apôtres. Hein? Dieu nous invite à brûler les livres, les objets de malheur dans nos maisons. Vous brûlez ça. Faut surtout pas les donner, franchement. Tu brûles, tu détruis, tu donnes pas. Fait qu'on fait tout ça avec elle. Mais il y avait encore des livres, là. Et là, elle acheminait. Fait qu'à un moment donné, elle vient me voir, téléphone de Berger, pour dire qu'elle s'appelle Électronique. Électronique veut vous rencontrer. Mais c'est une histoire triste que je vous raconte, c'est inspiré d'un fait réel. Électronique veut vous rencontrer. Bon, je vais voir Électronique. Puis en fait, elle était assez électrique. Heureusement que Dieu l'a guérie. Elle a dit, Père, j'ai mal à la tête. Ben, j'ai dit, on va voir ton médecin. T'as mal à la tête. On va voir ton médecin. On va voir le prêtre. On va voir le médecin. Prends, je sais pas. Ben... Non, non, non. Elle a dit, j'ai mal à la tête. J'ai beau prendre de l'aspirine ou du paracétamol ou je ne sais quoi. J'ai mal à la tête. Mais j'ai dit, viens, on va demander à Jésus de te guérir. On va prier ensemble. Fait qu'on commence à prier avec elle. Tout d'un coup, elle se prend la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Elle tombe par terre, puis elle commence à s'arracher les cheveux. Mais vraiment, elle s'arrachait les cheveux tellement elle avait mal à la tête. Là, j'ai arrêté le ministère. J'ai dit, on s'en va à l'hôpital tout de suite. Que la médecine la calme. Elle avait trop mal, on ne pouvait pas prier. Elle se roulait par terre, hein, tellement elle avait mal à la tête. Mais quand elle est à l'hôpital, à l'urgence, le médecin l'a écoutée, elle était là, elle se tenait la tête. Le médecin lui a donné un médicament très fort. Quand elle a fait 15-20 minutes après, elle dit ah, oh, ça se calme. Mais je dis on continue à prier. Ça se calme, t'as moins mal, on continue à prier.
C'est clair, c'est un combat spirituel. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris 2 heures de prière et ça a été fini, hein? Pour toute sa vie, hein? C'est fini jusqu'à maintenant. Hein? C'est fini, fini, fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, de l'Évangile qui est arrivé dans sa tête et qui a dit à tous les hétéro-occultismes qu'elle avait emmagasinés, l'Évangile dit maintenant c'est moi qui règne en elle. L'Évangile poussait la lecture diabolique, les hétéro-occultismes. Poussait! Et c'est ce qu'elle sentait dans sa tête. Mais pourquoi c'était si fort? C'est qu'elle avait totalement engagé son intelligence dans la compréhension de cette secte diabolique. En plus, sa mémoire était remplie. En plus, avec sa volonté, elle avait adhéré affectivement, c'est de l'idolâtrie, hein? Elle avait adhéré affectivement, elle a dit « ça c'est ma vie ». Fait que l'intensité que tu mets, ben, ça va te donner aussi l'intensité de ta purification. Et c'est pour ça qu'il y en a, c'est très long. C'est parce que tu as tellement engagé ta vie dans des fausses doctrines, par exemple, que c'est plus long. D'autres, ils ont lu quelques petits volumes des auteurs occultes, ça occupe un petit peu leur mémoire, mais ils n'ont jamais vraiment adoré. Ben, ça prend 10 minutes et c'est fini. Mais c'est la même chose pour les autres domaines de notre vie, le domaine psycho-affectif, nos blessures d'enfance. Plus on était blessé profondément, plus à un moment donné, ça va susciter en nous des batailles énormes. On peut refuser ça, malheureusement. On peut se battre. Et plus tu te bats, plus tu prolonges le temps. Plus tu dis au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi, je te présente ce qui se vit en moi et guérit tout. Et là, c'est plus rapide. Ça, c'est vraiment de la croissance spirituelle. Parce que les gens vivent ça. C'est pour ça que c'est si difficile. Et remarquez, quand on lit des auteurs, des grands spirituels de notre Église, le point principal, c'est donner votre volonté propre. Donner votre volonté propre. Pourquoi? Parce que par notre volonté, on adhère à des idoles, on adhère à des fausses doctrines, on attache notre intelligence à des visions, des mentalités, des grilles d'analyse qui ne sont pas évangéliques. Mais si toi tu t'es accroché après ça comme une survie, et que l'Évangile vient là-dedans, et le Seigneur te dit, c'est pas de moi ça. Et là le Seigneur commence à... Tu penses que ça se fait légèrement? Le Seigneur peut le faire, il est le Tout-Puissant, mais... La règle commune, c'est que ça cause en toi des drames, des batailles. Amen. Alors, c'est pour ça que je vous dis, l'espérance, c'est de s'accrocher au réel dans ces tensions, dans ces drames parfois que nous vivons. Et le réel, c'est ce que tu es dans la grâce, c'est-à-dire une femme nouvelle, un homme nouveau. C'est ça qui doit être ton focus. C'est ça qui doit être ton centre de convergence de toutes tes énergies intérieures. Ton intelligence, ta volonté, ta sensibilité, ton imagination, ton affectivité, ton émotivité, toutes les racines profondes de ton âme doivent être orientées vers le réel. Et le réel, c'est l'homme nouveau. L'autre, c'est pas réel. L'autre, c'est pas réel. Même si tu causes des combats parfois qui te semblent réels. Ça te rentre dedans, mais Seigneur, cela fait mal. Mais tu vois, l'intensité de ton attachement, de l'intrusion de grandes blessures, d'orgueil, de susceptibilité, de... refuser d'aborder certains points dans ma vie parce que ça me fait trop mal, ça me dérange trop, etc. Mais à ce moment-là, on résiste à la grâce. Vous laissez passer Dieu là-dedans. Et vous pensez que c'est facile de laisser passer Dieu là-dedans? Maman mia, en tout cas, moi, je ne trouve pas ça toujours facile. Et pourtant, je dis, oui, Seigneur, je veux être cet homme nouveau que tu fais de moi. Je ne veux cet homme nouveau. En fait, tu désires ce que tu es. Est-ce que je m'explique bien? Le réel, c'est l'homme nouveau, c'est la femme nouvelle dans la grâce. Ça, c'est la réalité.
Ce qui combat en toi, c'est ce qui ne correspond pas à cet homme nouveau dans le Christ. Amen. Alors courage! Tu as de la faveur aux yeux de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Et je finis là-dessus, hein, parce que c'est déjà midi 20. Bon, on m'a dit qu'on pouvait aller jusqu'à vers une heure. Hein. Oui. J'en parlerai à Bordeaux. On va parler du Père. Et moi, une des plus grandes preuves d'amour de mon Père, quand je dis mon Père, c'est notre Père, c'est justement lors du baptême de Jésus. Le ciel se déchire. Chez Marc, hein, l'évangile selon saint Marc. Le ciel se déchire. L'esprit descend comme une colombe. C'est la prophétie d'Isaïe. Hein. Ah, si tu déchirais les cieux. Marc reprend la prophétie d'Isaïe et le voit, la voit réalisée en Jésus et le ciel se déchire. Et l'esprit descend. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute ma joie. Là, le Père révèle son amour. Il faut aller plus loin dans la méditation des Écritures, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous révèle ce texte? Je le prends tout de suite. Qu'est-ce que nous révèle le texte de l'Évangile selon saint Marc? Ah, c'est très simple. Ça nous révèle à quel point notre Père nous aime. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Arrête-toi là-dessus. C'est le Père qui manifeste son amour pour son fils. Ce que dit là le Seigneur, c'est qu'il dit, celui qui est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, qui est la source de ma joie depuis toute éternité, je vous le donne. Comprends. Ça, tu es mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, c'est pas seulement pour un point ponctuel de l'histoire. Non, non, non. Ce que le Père révèle là, c'est que depuis toute éternité, tu es ma faveur. Depuis toute éternité. Alors le Père nous aime tellement qu'il nous livre la source de sa joie éternelle. Nous sommes aimés. Et le Père sait où il envoie son Fils. Il sait ce que va vivre son Fils par amour pour nous. Mais tu vois, ce qui est... Nous autres, on regarde la révélation du Fils de Dieu par rapport au Père, bien sûr. Le Père témoigne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui, depuis toute éternité, a ma faveur. La source de mon extase d'amour, qui est mon Fils depuis toute éternité, je vous la livre. Waouh! Alors ensemble on dit, waouh! Waouh! Tu comprends? Je veux dire, on lit ça aujourd'hui simplement, hein? Le baptême de Jésus, on lit ça. Mais ce qui nous est dit là, oh là là, le Père ouvre le ciel, ouvre son intimité divine éternelle, il dit, celui que je vous livre, c'est celui qui est la source de ma joie depuis toute éternité. C'est mon trésor absolu. C'est lui que je livre pour vous. Ça, ça veut dire exactement que le Père m'aime, que le Père t'aime, autant qu'il aime son bien-aimé depuis toute éternité. Je suis aimé du Père, du même amour dont il aime son Fils, et cela depuis toute éternité. Sinon, il n'aurait pas donné son Fils. Le Père ne peut pas nous donner plus. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que celui qui livre, c'est celui qui l'engendre depuis toute éternité dans une extase d'amour, dans l'unité du Saint-Esprit. Et ce Jésus qu'il contemple, le visage de son Fils qu'il contemple depuis toute éternité, c'est la source de son extase d'amour, c'est la source de sa joie ineffable. Il nous le donne. Waouh! 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 Amen! Si
sinon moi je décolle. Alléluia. On applaudit Dieu.